Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma. On est au 37e Festival International du Film d'Amiens. Et juste après le générique, on va recevoir Marcelo Gomez pour son film Joachim. Sur le plateau de Parlez-vous Cinéma avec Marcio Gomez et Adriana qui va être avec nous pendant l'émission pour traduire les paroles de Marcio Gomez. Donc Joachim qui est présenté ici au Festival International du Film d'Amiens hors compétition et que vous avez pu voir ce matin à 10h au Gaumont. Bonjour Marcio. Bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez commencer à nous parler du projet? Quelle a été l'idée de base et comment vous avez été jusqu'à la préparation du tournage? Quelles ont été les premières ébauches de ce projet? Ele está perguntando como foi o início das tournagens, né, da filmagem e quais foram as verdadeiras essências que você utilizou para começar a fazer a abordagem das cenas. Esse projeto começou com um convite de um produtor para que eu realizasse um filme sobre o nosso herói da independência brasileira. Il dit que c'était une invitation d'un producteur qui lui a demandé, lui a fait une commande pour illustrer et faire un hommage à notre héros brésilien Joaquim. A ideia, e eu fiquei muito feliz porque eu gosto de cinema histórico, já tinha feito dois filmes históricos, mas eu pedi uma liberdade total, porque eu não queria construir uma biografia tradicional de um personagem histórico. Donc pour lui c'était que du bonheur parce qu'il a déjà fait deux films auparavant de historique, il est bien dans ces sujets-là et donc pour lui c'était vraiment pas très compliqué d'aborder ces sujets-là parce qu'il est vraiment passionné et parce qu'il est vraiment engagé, donc il était vraiment à fond dans le contexte historique. Então para isso li várias biografias, li muito sobre a vida dele, mas o que me interessou foi imaginar como soldado do reino de Portugal se transforma em revolucionário no Brasil do século XVIII. Donc pour lui c'était justement de dévoiler, de montrer comment un soldat de pré-colonial, de l'époque pré-coloniale brésilienne, a pu changer, il a pu vraiment révolutionner sa pensée par rapport à la révolution justement vers la libération, vers la liberté, vers l'abolition de l'esclavage au sein du Brésil colonial. Et justement, pour ceux qui n'auraient pas pu voir le film ce matin, on va diffuser la bande-annonce de Joachim, comme ça tout le monde saura de quoi on parle, et on revient juste après pour continuer de parler avec vous. Donc Joachim de Marcelo Gomez, la bande-annonce. Aqui quem vos fala é decapitado. Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça. Thank you.
Voilà, donc c'était donc la bande-annonce de Joachim, de Marcelo Gomez. Si jamais vous avez eu la chance de voir le film ce matin au Gaumont et que vous avez des questions à poser au réalisateur, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire sur le Facebook Live, pardon, je vais y arriver. On vous transmettra les questions à Marcelo. Voilà. Donc Marcelo, vous me disiez que vous aimiez avant tout les films historiques. Et justement, nous, en France, souvent, quand on fait un film historique, c'est quelque chose de très académique. On appelle ça un truc académique. Là, c'est tout le contraire. Il y a des choses vraiment épatantes en termes de réalisation et presque de l'ordre de l'instinct dans la caméra. J'ai ce plan en tête, cette séquence où il y a un cavalier à cheval, justement, qui court dans la plaine et votre caméra le cherche comme ça, même part un peu dans le ciel. Comment avez-vous abordé la mise en scène de ce film ? Parce qu'il y a vraiment un aspect très moderne et très historique dans le fond et moderne dans la forme. Je comprends. Ah, parfait. Eu queria mostrar que o passado está vivo dentro do presente da América Latina. As fraturas sociais do passado estão presentes até hoje na nossa sociedade brasileira e latino-americana. Donc il a voulu justement amener les fractures du passé historique brésilien vers le présent. Donc les différentes scènes sont justement par rapport au présent d'aujourd'hui, vivant, et le passé dans une époque lointaine, mais quand même présente, qui puisse quand même être vue d'une façon présente justement dans le contexte du film. Então, para fazer essa ponte entre passado e presente, eu queria que a câmera fosse viva, que ela invadisse os espaços e ela compartisse essa jornada com os personagens. A câmera fizesse parte de todo aquele grupo que viajava pelo Brasil. Ele a voulu faire comme si c'était vraiment une expédition en live, comme si le cameraman faisait vraiment partie présente de cette aventure dans la savane, dans la plaine, dans la forêt avec les expéditeurs Joachim et ses collègues. Et au son de la vraie nature et de la vraie sauvagerie brésilienne. Parce que là, la caméra, elle était vraiment posée dans le bras, dans la main et dans l'épaule pour montrer qu'elle était là, présente et avec... Et comme si fosse un 360, c'est ça? Une caméra libre. Oui, voilà, une caméra libre. Ou seja, eu queria que o espectador não assistisse o século XVIII, mas fizesse parte da viagem pelo século XVIII. Donc il a voulu justement que le public ne voyageait pas vers l'arrière, mais qu'ils étaient vraiment amenés à travers la caméra au présent, dans le présent. Porque o cinema histórico geralmente parece um museu de cera. Parece que aqueles personagens não têm nada a ver com o presente de hoje. Eu queria desconstruir essa ideia de que o filme histórico, a câmera é clássica e o passado é glamouroso, rico, bonito, com roupas suntuosas. Eu queria mostrar um passado precário e um passado que realmente está no nosso presente. Donc justement, elle a voulu briser un peu le classicisme des films historiques pour déconstruire l'idée de musée de cire où tout est mis au point parfaitement avec le glamour, avec le décor, la belle lumière, le beau moment, la belle mise en scène, mise en point, mise en performance. Et donc là, il est justement tout déconstruit pour pouvoir mettre en jeu le moment présent, dans l'espace temps présent, avec ces comédiens qui sont habiles et engagés de transmettre aussi cette véracité des jeux, justement, et de l'aspect scénographique qu'il voulait aborder. Et c'est justement ça qui est intéressant dans votre film, c'est qu'en fin de compte, ce matin, je n'ai pas eu l'impression de voir un film historique, parce que comme justement grâce à votre mise en place, on s'immerge complètement dans le film, j'en suis venu à me poser des questions sur le monde présent, par le biais de votre histoire en fin de compte. Il y a vraiment une sorte de... Ça parle du passé, mais ça parle aussi profondément de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans différents pays, différents conflits. Il y a des miroirs qui sont faits, j'imagine, de manière voulue. Mmh. Et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que vous faites un film sur le passé, mais qui parle avant tout du futur.
ele fala que justamente você conseguiu abordar, porque ele ficou bem, bem tocado dessa transferência do presente, né? Nessa espécie de espelho paralelo entre o que foi feito, né, do passado e como a gente vê o presente hoje. Então ele diz que ele foi tão submergido a entrar na cena de uma maneira tão natural que ele não precisou nem ter aquela sensação, estou aqui assistindo um filme de época. Ele conseguiu, eu acho que é isso que você quer também, né? Transmitir através do teu filme, que o público possa se sentir apropriado de uma época, que seja do final do 18, do século de 1800, como o início agora de 2018, que a gente está entrando, os conflitos quase que se repetem, e justamente a gente pode se colocar naquela época contextualizando a mesma, o mesmo fato e a mesma abordagem histórica. É muito curioso, porque quando o filme foi lançado no Brasil, as pessoas saíram do cinema muito tristes. Ele diz que, malheureusement, no Brasil, quando o filme é sortido no mês de avril, o público partait en train de pleurer. Eles n'étaient pas contents, eles étaient tristes. Um pouco déçus, um pouco tristes. C'était pas de la joie, comme on est en train de parler, justement. Porque eu acho que parece que nós, latino-americanos, hoje em dia estamos cometendo os mesmos erros da época da colonização. Parce qu'il dit que nous, le peuple sud-américain, nous sommes en train de subir les mêmes esquisses et les mêmes problématiques de l'esclavage et de la pré-colonisation de la fin du 18e. Não conseguimos resolver problemas de justiça social, não conseguimos resolver o problema de uma pequena elite dominando o país, enquanto muitas pessoas não têm acesso às questões básicas, como educação e saúde. Então, parece que essas fraturas sociais da colonização estão presentes até hoje. E eu acho que com isso é triste, mas é bom também, porque eu trouxe minha pequena contribuição a uma reflexão sobre as mazelas do colonialismo. Donc il dit justement que le point de convergence par rapport à tout ça, c'est qu'il a réussi à montrer les fractures sociales, les problématiques politiques de l'époque, sans forcément briser le contexte poétique de ces personnages-là. Donc c'est vraiment d'une façon réelle, calme, doux, sans qu'on puisse se sentir agressé par rapport à ce qui est montré sur la scène, sur le film. Mais existe um momento de utopia dentro do filme, uma cena que aponta para uma possibilidade de utopia. Mais il y a quand même une mise en utopie dans le film qui pointe vraiment ce rêve, ce désir, cette conquête. Eu acho que essa cena é o momento onde o índio e o africano começam a construir um diálogo musical. Talvez, através da música, poderia ter sido construída uma sociedade mais igualitária, onde todos poderiam respeitar a cultura de um e de outro. Ou seja, ser a hip-hop de ciclo 18. Ciclo 18. Donc, ele diz justamente que, por contextualizar justamente un moment de film, c'est quand l'Indien et le Noir chantent ensemble de joie, de bonheur, de plaisir, chacun dans sa langue, chacun avec ses gestes, ses rituels, et l'autre qui observe et qui trouve ça magnifique et qui en même temps dit rien, mais qui est là, présent, parce qu'il participe, et qui en même temps, ça, c'est vraiment l'image du film qu'il contextualise pour donner cette légèreté, cette grâce, cette valeur de conquête et d'union d'un peuple qui est en train de se reconstruire, en fait. Bien sûr, et puis c'est vrai que c'est une belle image aussi du cinéma, des gens différents qui font une chose ensemble. Il y a des gens qui regardent, d'autres qui font, et voilà. Chacun partage ce joli moment. On va revenir juste après avec vous, juste le temps qu'on vous lance le petit récap de nos équipes en images de la journée d'hier. Vous allez pouvoir voir Archie Shepp qui était venu présenter The Sun Before the Fury, ou encore le montage d'une pilule 35 mm, puisque le festival c'est aussi ça, c'est des formats de films différents, des DCP, des 35 mm. Donc là vous allez pouvoir voir de la pellicule mise dans un projecteur. A tout de suite.
c'était bien là, ce qu'avaient dit les deux dames hier à l'inauguration. Vous savez, il y a des pays dont on attend les films, et notamment les films, j'ai bien vu là, tout ce qui concerne la Colombie, tout ça, moi ça m'intéresse. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul vrai super-héros dans le cinéma français, c'est Daniel Prévost. Non, juste pour vous dire que j'étais très, très heureux de faire ce film, avec tous les copains qui sont dans le film. Vous allez voir comme c'est joli et comme les choses vous toucheront, je pense, au cœur. Merci infiniment. Plaisir, un honneur que de pouvoir présenter cette projection. Alors d'abord avec les deux réalisateurs du film et bien sûr à la fin de la projection va nous rejoindre celui que tout le monde attend, Archie Shepp. Le cœur de ce projet, c'était le lien entre radicalité politique et radicalité esthétique. Et Archie en était le narrateur et la figure centrale. C'était assez impressionnant de voir Archie Shepp qui était pris d'une très grande gravité. C'est-à-dire que, d'une part, les séances de répétition de toute la nuit, et il était pris dans une gravité pour trouver le bon son et une espèce de concentration très impressionnante. Et voilà, donc encore une grosse journée ici à Amiens sur le Festival du Film. Marcello, du coup, juste une question avant de vous libérer. Moi, il y a quelque chose qui me passionne vraiment dans les autres pays. Le Festival d'Amiens est vraiment dans cette direction-là, d'aller vers les autres pays, de tisser les mondes, comme disait notre directrice artistique à l'ouverture. Le cinéma au Brésil, comment est-ce qu'on le consomme? Comment est-ce qu'il est produit? Est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences avec le cinéma européen? Et comment vous le vivez-vous, en fin de compte, ce rapport au cinéma-là? La production cinématographique brésilienne, elle est cada dia mais forte. Et ça a commencé il y a 15 ans, parce que le gouvernement a décidé de faire un travail de appui au cinéma brésilien, très parecido com le fomento que tem aqui na França au cinéma. Il dit qu'à peu près il y a 15 ans, le gouvernement brésilien a beaucoup développé les aides pour la subvention des réalisateurs de nouveaux films, de production de films. Donc, ça a beaucoup changé le contexte de produire des films au Brésil parce qu'ils ont beaucoup aidé, ils ont beaucoup soutenu. Et donc, ça a beaucoup fait avancer la production. Et ça est fondamental parce que je pense qu'un pays. Sans cinéma, est un pays sans espelho. Il dit que ça, c'était le point de départ pour tout ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que sans cinéma, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir. Ou seja, foi uma forma da gente construir nossas histórias, nossas identidades. E o que foi mais importante é porque o Brasil é um continente. E várias pessoas, não só do Rio e São Paulo, mas várias pessoas de várias regiões do Brasil conseguem fazer cinema. Donc il dit que ça a donné vraiment un vrai métissage de langage partout dans le pays. Parce qu'il y a São Paulo et Rio vraiment qui sont bien engagés dans la production. Mais ça a donné aussi une valeur dans d'autres états du Brésil à avancer et à aussi produire leurs films, leur qualité, leur langage, etc. Parce que comme on le disait tout à l'heure, le cinéma c'est le miroir d'une culture. Então, eu sou de Recife, que é o norte, então eu trago o meu pensamento do Brasil de outro lugar do Brasil, que não é o centro cultural principal. Então, ele diz que vem de Recife, c'est no nord-est do Brasil, então, c'est même pas du tout
les habitudes qu'on a quand on est dans le sud-ouest, dans le sud, dans le centre, dans le nord. Donc c'est vraiment un autre contexte, une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire le film aussi. E além disso, existe uma produção variada. Existem pessoas que fazem comédia e que têm um público muito grande, o que é bom para o cinema brasileiro. Outras fazem uns filmes de ação muito influenciados por Hollywood, mas também tem pessoas que querem descobrir a própria linguagem, a própria escritura e fazer um cinema mais autoral, que tem muito a ver com também um desejo de pensar um país, pensar uma cultura brasileira. Donc, ce nouveau film, ce nouveau cinéma brésilien est justement en train de changer parce qu'il y a beaucoup de comédies, il y a beaucoup de films historiques, d'action, inspirés de Hollywood. Mais nous, on est en train justement de renouveler notre source pour recréer un nouveau film d'auteur. Donc, le film d'auteur devient maintenant une nouvelle vague au Brésil. Donc, chaque auteur est libre de faire un nouveau contexte de langage, d'écriture, de scénario, sans vraiment être attaché à telle et telle époque ou à tel et tel pays. O Brasil, acho que é uma mistura de culturas africanas, indígenas, europeias. E eu acho que essa mistura de cultura tem que ser revelada para os outros países, porque eu acho que a gente é uma forma de a gente aprender como essas culturas todas podem conviver juntas. Donc, dans le propre pays, le Brésil, on arrive à faire ce tissage qu'on était en train de parler par rapport au film de Damien. Et donc, le Brésil commence maintenant à mélanger toutes ces cultures-là pour évoluer une nouvelle façon de voir le monde, parce que le monde est en train de changer et nous sommes en train de construire un nouveau avenir à partir de la formation et de l'évolution du nouveau cinéma brésilien. Parfait, merci pour ces ondes positives. On vous souhaite un bon festival. Si vous voulez voir Joachim, il passera une nouvelle fois dans la semaine. On vous remercie, on va vous laisser là. Donc pas de questions en direct. La prochaine fois, n'hésitez pas à poser des questions. On les transmettra à nos invités. Ne soyez pas timides. Dans tous les cas, on vous dit ici même, à demain, 13h. Bonne journée sur le festival.